L'un des intérêts de cette exposition est véritablement de pouvoir montrer une histoire de la photographie, une histoire de la photographie en général, mais aussi et plus particulièrement une histoire de la photographie américaine grâce à 6 sections qui nous permettent d'entrer, disons, dans les débuts de la photographie topographique, qui est véritablement une constituante de la photographie américaine et de la photographie de paysage, donc à la fin du 19e siècle, pour terminer ici, donc, dans ce deuxième niveau de l'exposition, avec des œuvres beaucoup plus contemporaines. Donc il s'agit véritablement de montrer un panorama qui présente différents artistes, plus de 50 artistes au total, avec plus de 82 œuvres réunies ici. Une des autres caractéristiques de l'exposition ici est aussi de montrer les productions notamment des artistes femmes américaines, donc qui sont aussi relativement célèbres, mais bien représentées là dans la présentation qui a été faite. On peut penser à des artistes qui ont contribué à l'essor de la photographie véritablement dès le début du XXe siècle. On peut penser par exemple à Imogen Cunningham, qui a travaillé avec les plus grands donc en Californie et donc qui est ici représentée par un paysage, mais un paysage de la nature humaine, puisqu'elle elle crée une espèce de portrait de John Bovingdon, qui est un danseur de bohème, qui était très connu à l'époque, donc au début du XXe siècle aux États-Unis, mais qui a été plus ou moins rayé de l'histoire et qu'on redécouvre maintenant, puisqu'il était notamment un grand pacifiste. Et pour ces raisons et pour son engagement politique, il a été donc mis au banc des écrits les plus récents. Imogen Cunningham a décidé de représenter ses jambes. Donc en faisant un gros plan sur les jambes de ce danseur, donc, qui sont véritablement la partie la plus importante de son corps, son élément de travail, ce par quoi il s'anime. Mais elle a décidé de cadrer la photographie de manière très particulière pour que finalement nous ayons cette sensation d'un paysage à l'intérieur même du corps humain. Donc c'est un des aspects aussi intéressants d'ailleurs dans l'exposition, de voir comment le corps humain devient lui-même un paysage. Et c'est aussi une des manières ici de ne pas s'attarder uniquement sur le paysage le plus littéral possible, celui auquel on s'attend, avec notamment les grands noms de Weston ou Ansel Adams qui sont présents ici, mais qui ne sont pas les seuls. Donc il y a aussi des contrepoints comme ça qui viennent ponctuer les choses. So in this exhibit, you'll see photographers from the Southwest. Laura Gilpin is somebody doing the Rio Grande. And further up into the Northwest, one of our first images in the show is from the area around Seattle. On est là dans les coulisses d'une exposition. Donc les œuvres sont arrivées du LACMA au début de la semaine.